Salut à tous, c'est Flavien, on se retrouve pour le 12e et dernier épisode d'Until Dawn, de Man of Medan, les amis. Ce sera peut-être pas le dernier, peut-être que je referai des épisodes pour essayer d'avoir plus de vivants, les amis. Mais on va voir ce qui se passe à la fin du jeu. Lo and behold, the pale horse and the rider who decides the fate of one who made a failed choice. With a tail off behind it, the trails off in the fire that sparked those who don't know they're stuck on a stale course. Yeah, we all face death when it comes to take your breath. Usually without knowing how many days are left. Some raise their chest, others cower when it comes. Whether you're living in the towers or down in the slums. Les amis, on aura du coup perdu dans les deux derniers épisodes deux personnages. Malheureusement, je suis dégoûté qu'on ait perdu Conrad. Je suis sûr qu'on aurait pu avoir une fin Conrad et Fleece, parce qu'on avait fait une bonne relation entre eux. Moi j'ai bien envie de me refaire Man of Medan, les amis. Bon, je le ferai peut-être pas sur la chaîne. Peut-être que je mettrai quelques vidéos de scènes qu'on n'a pas vues. Du coup, ça peut être marrant, les amis. Faire des autres choix. Et puis voilà, les amis. Donc là, on va voir ce qui va se passer. On va passer, les amis. Est-ce qu'on revient au menu ou est-ce qu'il y a une petite scène de jeu finale? On va peut-être en apprendre un peu plus. Alors, scène finale ou pas? Oh, c'est vrai, il reste lui là qui s'est fait attaquer par l'enfant, non? Oh. Toi, mec, t'es dans la merde. Oh, y'a l'hélico du coup qui est venu sur le bateau. Mais du coup, nous, on s'est barré du bateau. On s'est barré en fait. Il va réussir à s'enfuir. Ils vont retrouver les corps, je suppose. Ah, mais il y aura plus personne. Il y aura plus personne du coup. Parce qu'on s'est barré en donc, bateau. Comme par magie, ce truc envoie un SOS. Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme, pas vrai? Ils vont tomber sur les corps. Tomber sur les corps, comme ça vous comprendrez bah, qu'ils sont morts, quoi. Genre sur Julia et tout. Waouh! C'est quoi ces conneries? Ah, oh, ils sont où la salle où il y a les 4 cercueils là? Faites gaffe au celui au fond à droite, ouais, au petit, faites gaffe. Faites gaffe au petit cercueil. Ils vont aller où ensuite? Ils vont tomber sur quelqu'un, tu penses? Je suppose, hein, mais. Sur qui? What? Il les a défoncés. Oh là là. I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. What? What the fuck? Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. What? 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 Preview du prochain jeu ou pas? Little Hope! C'est le prochain jeu! The Dark Picture Little Hope 2020! Ça c'est beau, les amis! Oh, c'est un délire aussi, genre un truc forêt mystique un peu! Oh là là! Beau gosse pour la fin en tout cas, hein! On va revenir au menu là, du coup, je suppose. Ah ah! Bah!
Du coup, on nous explique pas beaucoup non plus. Du coup, on n'a rien continué, on peut choisir. Ok, ah ça c'est pas mal. Ça j'aime beaucoup. Mais du coup, par exemple, si je choisis une scène de fin, il prend en compte quel choix qu'on a fait depuis tout le début du jeu. Je pense le premier qu'on a fait, hein. Si je vais à Inondation, que je retourne à une... On crée une nouvelle sauvegarde, on n'écrase pas l'autre. Voilà, on va faire une nouvelle. Inondation. Est-ce qu'on peut peut-être du coup sauver Conrad? Je dis ça, je dis rien, ça peut être pas mal. Alors. Mon petit Conradito. Est-ce qu'on peut pourquoi pas te sauver quand même? Ce qui serait plutôt intéressant, à pas se mentir. Alors. Ah, ça. Oh, on peut le sauver encore. J'aurais peut-être dû aller avant. Parce que peut-être déjà que l'inondation c'est un mauvais choix. Bah, je vais essayer de faire l'autre choix. Soit je fais l'autre choix, soit je réussis le QTE. Je vais tenter de faire l'autre choix quand même. Hop, y'a plus de son. Oh fuck! Yes! J'ai raté le QTE parce que j'ai dû changer de manette. Mais non, je meurs pas comme ça. Mais non, tu déconnes, tu déconnes. Déjà, je récupère ça au moins. Triangle, non? Aïe, aïe, aïe! Ouais, toi, relève-toi, mon pote. Tu vas nous aider. Rate plus de QTE, mon petit. Ah ouais, tu fais péter du verre encore. On va essayer de changer de choix. Il y avait un triangle à un moment. Peut-être là, le triangle. Ouais! Le coup de poing. On va changer de choix cette fois, les amis. Et au pire, je change de choix ou je fais le QTE? Je vais changer de choix. Je vais changer de choix parce que. Mais si je réussis, si je fais le même choix et que je fais le QTE c'était carré appuyé plein de fois. Je vais quand même essayer de changer de choix. On va changer de choix. Je vais changer de choix. Je vais changer de choix. C'est une mauvaise idée, mais je vais changer de choix. Je vais. Non. Ouais, je lui dis d'attendre. Je lui dis d'attendre. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Ok, c'est la même chose. C'est la même chose. Je me prépare au carré là, du coup, c'est ça? Ah non! J'ai réussi. Oh putain, il y en avait un deuxième, les bâtards. Oh yes, j'ai sauvé Conrad. Yes. On a sauvé Conrad, les amis. Oh putain. Oh, je crois que j'ai bien failli y rester. Allez, on a fait tous les mêmes choix, mais on a sauvé Conrad. Ça, c'est bon. Ah! Allez, on part d'ici! Voilà! Et en plus, on a récupéré le truc. Ok, on a pu faire le même, les amis. On a fait la même aventure, sauf qu'on a réussi à sauver Conrad. Heureusement que c'était vers la fin. Julia, faudrait que je recommence plus de 1 heure de gameplay, je pense. Allez, non, pas 1 heure. On va dire 45 minutes de gameplay pour sauver Julia. Je le ferai sûrement off, mais là, bon, comme il y avait vraiment 5-10 minutes de gameplay, on a pu le faire et on l'a sauvé. C'est bien, les amis. Du coup, comme il a une bonne relation avec...
avec comment elle s'appelle? Avec Fliss. What? Conrad. Attends, what? C'est pas Conrad ça. Wesh! C'est qui ce gars là? C'est pas Conrad mon pote. What the fuck? C'est pas... Mais c'est pas Conrad ça si? On dirait... C'est quoi? On dirait Alex mais en blanc. What the fuck? Bon, est-ce qu'on aura une petite scène en plus? Retrouvailles entre Conrad et Fliss. Oh, elle est contente. Oh, elle est contente. Oh là là, ils s'embrassent. Oh, ça c'est... Oh, petite scène comme ça, ça fait plaisir. Voilà, on a refait le jeu juste pour cette scène, mais elle fait plaisir, on va pas se mentir, les amis. Du coup, est-ce que la fin sera différente? Je pense pas. Hein. Peut-être un petit dialogue en plus. Allez, c'est parti. Parfait. Allez, ça dégage. Yes. On aura sauvé Conrad, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment hyper cool, les amis. Ah! Ouais, ouais, là tu vas. Est-ce que Conrad il va lui dire un truc? J'aurais dû être. Pour sa sœur? Quand elle est morte. Oh putain. J'aurais peut-être pu la sauver. J'aurais pu. Prendre sa place. J'aurais dû être à sa place. Oh, oh le regard qu'il a fait. Putain. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur d'avoir perdu Julia, mais on a quand même sauvé Conrad et ça, je suis plutôt content. Ha ha! Putain, bordel de merde, évidemment! Dès que je dis dès que je dis ça, je la vois là. Ah putain! Putain, tout ça à cause de Junior là. En plus, j'avais fait les bons choix. Ah putain, on va passer, les amis. Comme on a déjà vu ça. Putain, je peux pas passer, les bâtards! Ah, mais c'est quand il y a le. Ah, est-ce qu'il va dire la même chose lui du coup? Est-ce qu'il va dire genre vous avez que un mort? Ou pas? Voilà, c'est terminé. Fin de partie. Du moins pour l'instant. Vous pouvez toujours retenter votre chance, vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Ah là, j'ai pas mal, on va dire. Impressionnant. Presque tout le monde a survécu. Ah, il a pas dit ça! Oui, presque. Oh, fils de pute. Oui. Je suppose que quand... Ah, ça il l'avait pas dit, il avait dit ouais, ah c'est dommage, il y a quelques morts. Et là il a dit impressionnant, il y a presque tout le monde qui a survécu. Tout est une question de choix, n'est-ce pas? Des choix faits dans l'urgence. Par contre le choix à la fin, j'ai l'impression qu'il ne changeait pas trop. Hein. Je sais pas si ça changeait quelque chose. Des choix dont les conséquences. Le choix avec Conrad à la fin où il fallait dire à Alex soit on paniquait, soit je sais pas quoi. Il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Yes. Beau boule. Putain, on peut pas passer, bon. Oui, on se reverra dans Light. Ah, c'est ça qu'il avait dit du coup. Dans Light très machin. Très bientôt. Peut-être à Little Hope ou peut-être ailleurs. Peut-être à Little Hope. Et j'avais dit que c'est sûrement le prochain jeu et ça nous a été confirmé après. Inévitable. Dark Pictures Little Hope, ça sera le prochain jeu. Incroyable, et les amis. Là, on va passer, les amis. Elle trouve rien. Du coup, est-ce que la scène finale est différente? Bah, déjà, je pense que si on trouve pas le. Si on n'arrive pas à choper le QTE où on garde le truc pour faire fonctionner le bateau, faudra le faire aussi. Mais je pense que du coup, les hélicos ils viennent et on est encore sur le bateau. Tu vas crever mon pote. Ah non, c'est toi qui vas tuer des gens.
Toi, tu vas tuer des gens, mais je pense que tu vas crever après. Mais tu vas tuer des gens, petit fou. Sale fou. Putain, ouais, par contre, on dirait pas Conrad. Hein. Je suis désolé. Ouais, on peut pas. Okay. Ce truc envoie un SOS. Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme, toi, ouais. Tu vas crever, c'est la vie, la 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 la. On va chanter, on va danser. Tu vas crever, oh. La la c'est la quoi, la la. Il y a le petit chinois, je crois il s'appelle Danny. Il va vous plomber, ouais 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 ouais. Tu vas vous chétaniser, et ouais mon gars, vie de wham, vous êtes dans la merde. Attention, attention, messieurs, messieurs, attention, messieurs. Et voilà. Je l'avais dit ou pas? M'écoute jamais. Tu es con. Oh là là! Et du coup, ça, je viens de voir quelque chose dans les bois, ça c'est le prochain jeu. Ça, ce sera le prochain jeu. Oh putain, la poupée déjà, elle. Il y aura un monstre, sa mère en plus. Il y aura Angela, Andrew, et une petite fille. Little Whoop. Dark Picture Little Whoop. Ah, avec c'est une poupée. Whoop, hop. Je sais pas ce que ça veut dire. Petite. C'est peut-être poupée. Je dis ça au pif, les amis. Hein, mais. Ah, putain, il sera bien aussi. On va l'acheter, les amis. Je l'achèterai en 2020, bien évidemment. Et peut-être, pourquoi pas, en 2021. La dernière partie de The Dark Pictures. Il n'y avait pas une autre scène après? Ah non, revenez là, ok. Ok les amis, c'est tout pour Man of Medan, j'espère que ce let's play vous aura plu, 13 épisodes, ou 12, 12 plutôt il me semble. On va se quitter sur ce 12e épisode les amis, moi je vais vous dire ciao tout le monde, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Man of Medan, sur un Gacha Games, ou sur Little Whoop en 2020 les amis. Moi je vous dis ciao tout le monde et à plus, salut, ciao le conservateur. On se revoit bientôt, mon pote. Je t'aime.